Nous sommes inspirés par Dieu, les savants et les scientifiques. Monsieur Paul Kagame, président de la République rwandaise. À la suite de vos propos qui sont dignes d'un chef rebelle remettant en cause les frontières de la RDC, voici pour vous l'extrait d'une convention internationale. La conférence de Berlin. Elle marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Aussi connue comme la conférence de l'Afrique de l'Ouest, elle s'ouvrit le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège ainsi que les États-Unis y participèrent. Une conférence antérieure avait amorcé le débat par la partition des Congos. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles de colonisation. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne de signatures de traités. Pour les frontières de la République démocratique du Congo, elles sont issues des découpages opérés entre les différentes puissances coloniales avant l'indépendance des colonies. La République démocratique du Congo est ainsi partie à 22 traités frontaliers différents, tous antérieurs à son indépendance en 1960. Aucun des traités frontaliers n'a été remis en cause par les pays parties qui ont succédé à ces traités. Merci de votre attention. Depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa la capitale, Archange Diffusion Vidéo. Abonnez-vous.